Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, Danawa, Celta Vigo, pour son retour sur le banc merengue. Zidane s'est imposé 2 buts à 0 face au Celta Vigo. Donc retour gagnant de Zinedine Zidane, donc Mamnar, donc Defnoliwar. Donc il a concocté une équipe qui a écrasé, qui a battu le Celta Vigo avec un jeu convaincant, rassurant par rapport aux dernières prestations du Real Madrid. Donc Zidane devenait bret, devait choix fort. Donc là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc l'arrivée de Solari a arrangé Yeni Zori, mais le départ de Solari aussi a dérangé Yeni Zori, arrangé Yeni, comme il a arrangé, comme Isco, mais il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a fait un problème pour grave avec Santiago Solari. Il a dit qu'il n'y a pas de Solari écarté. Isco, il était de retour avec 1 milliard à 3 avec Toni Kroos et Luka Modric. Bien un choix fort, moi Reguilon, mais il était titulaire. Donc lors du magistère de Solari à la place de Marcelo, Zidane ko djel nako chopet te ko djuma chopet civi te ko ci ban bi indi Marcelo. Benen choix bi moy le retour de Keylor Navas. Ça c'est logique, ñep ko don laaj parce que mëno yor ben gardien mu défal la ay prestations yu djégi dayo nga gagné mom 3 Ligue des Champions nga ñew diko tek ci ban bi pour des postes politiques. Donc ça c'est pas normal parce que Courtois il n'a pas prouvé donc sa place de titulaire donc dans les cages madrilènes. Benen choix bi moy la titularisation de Gareth Bale. Donc titularisation Gareth Bale aussi c'est un choix fort, donc associé à Asensio et Benzema. Donc Zidane équipe la tagat quand mon manqué moy donc Carvajal qui n'était pas sur la feuille de match, donc il était donc blessé. Donc Zidane a donc retrouvé le chemin des terrains avec une victoire. Donc Real dafa dominer match bi de fond en comble Real. Donc saf lek rek saxami rek la deful Celta Vigo, 53% de possession de balle pour le Real, 22 tirs au total, 7 tirs cadrés. Donc c'est pour dire que le Real a dominé donc de fond en comble cette rencontre avec début de Isco qui reprend un centre de Benzema. Isco 102e minute, moi le premier buteur du retour donc de Zidane, donc premier buteur de l'ère Zidane, lui qui a été banni par Solari. Deuxième but marqué par Gareth Bale sur une passe décisive de qui? De Marcelo Kanda Gedef. Passe décisive à Real Madrid, donc ça fait belle lurette. C'est depuis Matusalem, Marcelo a réalisé une passe décisive. C'est pour dire que la confiance est de retour et donc c'est un état, notre état d'esprit. Donc quand même Zidane mine à Real Madrid. Comme bon mieux en remplacement à Rafael Benitez, Zidane de Fagnou, Hamzouri, Hambanzour les Dougal. Donc il a l'état d'esprit de Wobble Indouard. Donc Zidane est bel et bien de retour, comme Nico Alphonse de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais voilà, réel, deux êtres nous en manquons, moi qui s'en rendons avec Zidane. Zidane nous a fait une affaire équilibrée parce que prestation est bien. D'où n'est réel, retrouver ses sensations, mais c'est encourageant et ça donne donc de bonnes perspectives pour le futur. Donc Zidane avec Real gagné Celta Vigo 2 buts à 0. Donc avec cette victoire, le Real consolide sa troisième place avec 54 points en 28 matchs. Atlético Juegul. Donc, on a 56 points en 27 matchs. Donc, là, on a Real 2 points avec un match en retard. Barça a mom. Donc, et à 9 points du Real Madrid. Donc, Barça a mom. Jégoul, Souboulay, jouer. Donc, le Barça va jouer demain. Et le Barça essaiera donc de maintenir l'écart de 12 points par rapport au Real Madrid. Donc, Barça, Souboulay, jouer face au Betis Séville. Real Betis. Donc, bon, match Piesa, parce que match Alibi. Betis doit faire que Barça, touch-go-touch-y, mettre l'écart avec le Cadefoul, Dorco. 4 buts à 3. Donc Zidane est de retour. Et Zidane a bien soigné son retour avec une victoire. Et victoire bien nous indique surtout ce sont les revenants. Donc Marcelo, Gareth Bale et Francisco Alarcón. Donc Isco, Zinedine Zidane.